le prix international des céréales ne cesse d'augmenter, de sorte que le nombre de pauvres dans le monde s'élève aujourd'hui à plus de 50 millions de personnes. Ce nombre, qui correspond au double de la population taïwanaise, est concentré surtout dans les pays à faible revenu et à revenu moyen. Et le ralentissement de la croissance économique mondiale vient encore accentuer l'urgence du travail international d'aide au développement. En Haïti, frappé par le grand tremblement de terre de 2010, suivi par une importante épidémie de choléra, alors que tout est à reconstruire, la façon dont Taïwan ICDF accompagne les Haïtiens est particulièrement importante. En Haïti, la principale source d'eau pour la riziculture inondée est la rivière Artibonite. Mais du fait d'une croissance trop rapide de la population et d'une exploitation trop importante des terres, le système d'irrigation a subi des dommages et la production de riz a sensiblement diminué. Dès les années 1990, dans les zones de riziculture inondées, Taïwan avait introduit des variétés de riz résistantes aux maladies et aux parasites. En 2007, la mission technique de Taïwan est entrée dans une phase de mutation et a changé son mode d'action pour passer de l'augmentation des superficies cultivées à un projet d'amélioration des techniques de culture. Le centre de recherche sur la riziculture de Mogé a été créé dans le département d'Artibonite, spécialisé dans la production de semences de riz. Son but est de fournir des semences de riz à Haïti. Ce centre est également chargé de dispenser des formations pour l'introduction et la sélection des semences, les expérimentations locales, la recherche dans le domaine des techniques de culture, ainsi que le maintien en condition. The ODVA and China Taiwanese mission provide to farmers a certificated seed or basic seeds to help them increase the yield. This is the one help. Secondly, we try to show them, we teach them a modern and advanced techniques to help them improve their yield and or income, because we control the fungus diseases, the bacterial diseases. If we have a look in this land, probably we have some problem or probably of water control, water level, but we don't see a disease here. During the past years, the Taiwanese mission and the ODVA have a new techniques. A new technique to control the main diseases that can reduce the yield. Yobang的品种因质上是不会有的，它有时因为它会混掉，怎么样的，或者是它本身会突变，所以我们在这个试验场做品种原年种保留的话，看待有这个现象，就是平时就要在公园下去把它拿掉，好的。 Dans le passé, lors du repiquage du riz, les agriculteurs haïtiens ne se souciaient pas de l'espacement entre les rangs. Ils ignoraient que si l'espacement est trop faible, cela engendre une mauvaise croissance du riz et une baisse de la productivité. Yvon, I can finish. Après ça, on va se passer. Ou bien. Ok, d'accord. Qui ça fait ces fertilisations et des herbes? Comprendre moins et l'aime dit quelques vieux proverbes, vous comprenez moins, vous même vous pas comprendre. Donc, vous là tout simplement pour faire wisdom. Là, nous arrivons dans le nettoyage. Nous finirons piquer, nous nettoyer. Ça nous fait encore. On allait, monsieur. Tout d'abord, c'est une grosse expérience pour nous. Nous sommes très contents et pour nous aller à Taïwan. Donc, nous pas déçus du tout. L'agriculture, c'était assez intéressant, c'est vrai.
nous pouvons mettre en application parce que peut-être nous avons beaucoup de moyens pour mettre en application, mais c'était très très intéressant, surtout dans affaires la culture du riz. Donc étant donné nous-mêmes n'a pas évolué dans nous maintenant, nous pensons au fur et à mesure, donc nous avons une chance pour nous mettre bagaille ça que nous te prend en application. À l'heure actuelle, une partie des variétés de riz d'Haïti est la PQ4 qui vient de la République dominicaine voisine. La culture des semences de riz dans la zone d'Artibonite, en Haïti, a permis, grâce aux améliorations techniques, d'augmenter à la fois les surfaces cultivées et la productivité. Mais les évalué prix, ça nous conduit dans Chila, nous, et c'est beaucoup plus. Bien que nous n'avons pas un programme dans longtemps, mais dans ce temps-là, nous avons exactement le bon changement. Dans les projets internationaux d'aide au développement, le but de l'aide apportée pour sortir de la précarité est de permettre aux gens d'améliorer leur vie. Oui, j'ai planté TCS, j'ai joué 120 sacs. J'ai fait ça, mais je n'ai pas planté toute terre. Sur un petit morceau, j'ai joué 60. Ça a gagné plus rapidement que TCS. Bon, pour ce qui est ça, bon, j'ai planté déjà, j'ai fait un peu de riz. J'ai vendu pour plus d'argent qui permet de mettre moi, vous et l'école très à l'aise. Dans la région d'Artibonite, lorsque le projet de formation à la production et à la vente de riz décortiqué a été lancé, beaucoup se demandaient pourquoi il était aussi important de construire un moulin à riz. Une fois les coopératives agricoles en place, une autre mission majeure consiste à aider les agriculteurs à acquérir les notions de gestion des finances et des fonds. Et maintenant, je vais présenter comment le comité a formé. Le comité de gestion qui a géré Moulin, il y a un président, un trésorier, un secrétaire. Ils ont des conseillers, c'est-à-dire qu'il y a 5 membres là-dedans, parmi lesquels moi-même, Marcel Vertu, moi, c'est coordonnateur. Et ceci, et nous sommes censés gagner un opérateur. Opérateur, ça, et que ce n'est pas des gens qui viennent verbal. Dans mon lien, c'est des gens que vous voyez prendre formation, qui apprennent à connaître comment que pour manœuvrer mon lien et transformer du riz en bonne qualité. Et comme dit nous tout, avant même mon lien de venir, la coupe, ça, c'est la coupe qui est abandonnée. Tant que ça, c'est des cas qui pas de gain de là-dedans. Donc, comme d'a dit, c'est pendant que nous avons accepté nous qui viennent faire remaniement ça, qui viennent faire. Et il y a un pile de monde qui a accès au moulin là qui vient travailler. Parce que la zone, c'est une zone qui est abandonnée. Parce que actuellement là, au cas sous ciment, il y a un pile de monde qui a activé. Ça veut dire que n'était-ce pas moulin et que peut-être que j'ai activité ça dans la communauté. Grâce à moulin ça, nos moulins dirent nous dire nous bien propres, nous faisons arriver dans le marché, nous ne sommes pas mis à terre, nous faisons plus comme.
nous faisons plus comme du vin, nous vendons plus de vin. Grâce à Moulin, alors, il fait dans le marché où je n'ai aucun vaisseau ou acheté, où je n'ai aucun gobelet ou acheté, où je n'ai aucun serviette ou acheté, où je n'ai aucun drap ou acheté. D'abord, il faut se renseigner sur les prix sur le marché, puis créer des canaux d'approvisionnement avec les détaillants ou les supermarchés locaux. Il faut aussi apporter une aide à la création de petits emballages, de façon à installer les conditions qui permettront aux paysans de créer leur propre marque et de vendre leur production. Ici aussi ? Oui. Ici aussi, ici. Avec Mission Taïwanais qui est de notre travail, parce que avant, bon ici à Tétou, on est zone isolée, parce que nous pas de gain aucun activité bon ici à. Mais qu'on y a soit paraître, faut jouer plus passer des centaines de monde bon ici à, sous glace, monde cap moulin, monde qui vient acheter, nous fait tout genre de activités. Ça fait nous toujours. Nous disons grand merci avec la délégation Sahara qui vient aujourd'hui. Ils viennent garder comment on a travaillé et notamment de tout pour continuer à aider notre travail. Parce que nous avons nos récoltes en pile durée, nous avons chez choix. Bon, pour être capable de marcher, pour être capable d'aider les moulins. Marché puis bientôt. L'organisation a aidé nous à faire moi et nous marcher parce que toutes les affaires là, ça nous fait 50 gouttes. 50 gouttes là, a aidé nous. Il a aidé nous à occuper petite nous, voyez petite nous l'école, bah, manger, habiller petite nous. Chante-t-il, chante. Les deux premières boîtes là, les Saint-Jean-Gilles. Non, c'est la salle. Bonjour, mon ciel est dit comme on va dans.